L'initiative en revient à l'association Palatiale qui s'occupe du musée de Bocconian qui a été aménagé dans le seul bâtiment qui aurait été construit à la demande de Napoléon en Corse, au Palazzo. Oui, bien sûr, j'en suis au courant parce que j'en ai entendu parler dans la famille plus qu'au village par différentes sources. Mais je ne connaissais pas l'histoire par cœur. J'avais de vagues souvenirs. Il a fallu tout reconstituer à partir d'une multitude de sources. Comment avez-vous effectué votre travail de recherche? Justement, donc j'ai pris toutes les sources que j'ai pu trouver. J'ai pas pu trouver exactement ce que je voulais parce que j'étais sur la fin de la documentation quand il y a eu le premier confinement. Par contre, j'ai eu suffisamment de choses et puis j'ai fait exactement comme on fait aux assises, parce que je couvre beaucoup les assises pour la presse en dessin. Donc je connais le déroulement d'un procès, donc les témoins viennent, ils témoignent, ils sont cuisinés par le jury, par le président du jury, par les avocats, donc leurs contradictions sont mises en exergue, parfois les mensonges, les insuffisances, etc. Donc j'ai essayé de faire un travail poussé et de construire un scénario à partir de toutes les sources que j'avais sur la main et en cherchant une cohérence. Voilà, c'était pas très très facile parce qu'il y a eu beaucoup de faux, beaucoup de falsifications, beaucoup de raccourcis. Il a fallu reconstituer les choses de façon pertinente. Je crois que j'y suis arrivé, je crois que ça tient la route. Un travail de fourmillant. C'est un travail d'enquête, c'est une enquête journalistique, c'est pas un travail d'historien. C'est une enquête journalistique et ensuite c'est suivi par un travail de scénariste. Donc il a fallu mettre tout ça en scène, plus des choses qu'on sent, qu'on croit, et donc là on utilise la fiction, hein. C'est romancé, hein. C'est romancé, mais sans trahir la vérité historique, je pense. Et alors, d'abord, je l'ai fait savoir. J'ai fait savoir qu'on travaillait dessus, je n'étais pas le seul. Pourquoi? De façon à avoir des témoignages, avoir des documents de l'époque qui sont parfois enfouis dans les familles. Donc j'ai eu pas mal de petits trucs, même des choses très intéressantes, qui m'ont aidé d'ailleurs à bâtir mon scénario. Parce que je suis parti sans idée préconçue. D'ailleurs, les pistes que j'avais au départ se sont révélées fausses. Alors ensuite, les habitants de Bocconian. Ils ont acheté l'album. C'est aussi grâce à eux qu'il a pu se faire, parce qu'il y a eu une part de préfinancement, donc on leur a vendu du vent et ils nous ont fait confiance. Ensuite, il se vend encore bien à Bocconian. Maintenant, les retours de lecture, j'en ai, mais
Ça, mais c'est toujours pareil. Hein. Ils sont bons et donc on n'a pas trop tendance à y croire. Voilà. Voilà, parce qu'il y a toujours un doute dans toute, dans toute création. Il y a vraiment, il y a vraiment un doute. C'est d'ailleurs le seul moteur intéressant. Quand il s'agit d'un écrit, on parle de style. C'est le style qui est là pour vous emporter, pour vous amener, pour vous suivre l'histoire, pour partager les émotions, etc. Donc, le style, c'est quand même quelque chose de primordial. Hein. Il y a le squelette, donc il y a la narration, et puis ensuite, il y a comment on raconte. Dans la bande dessinée, le style, ça peut toucher énormément de... énormément de domaines, et moi, avec le passé que j'ai, je peux passer très facilement, en fait, très facilement, je peux passer d'un style à un autre, vraiment de style très différent. Donc la première des choses que je fais quand j'ai un sujet à traiter, c'est de définir le style qui va m'aider à traduire cette histoire. Donc là, j'ai opté pour un noir et blanc affirmé, très affirmé, du style, parce que je voulais absolument... que la bande dessinée ne passe pas, ne soit pas une espèce de documentaire sur une époque, mais que ce soit vraiment un récit, une histoire arrivée avec des chevaux, parce que tout le monde circule à cheval à l'époque, donc une optique très western, etc. Donc je voulais ce noir et blanc. Ce noir et blanc. Mais ensuite, je voulais aussi une mise en couleur. Alors une mise en couleur gratuite, ça ne m'intéresse pas. Alors comment mettre en couleur du noir et blanc affirmé, ça c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mais en même temps, pour diriger les émotions, on n'a pas d'acteur, on n'a pas de bande-son, en bande dessinée, on n'a pas un monteur qui donne un rythme. Donc tout ça passe par le dessin, la mise en couleur, par la mise en scène. Donc je voulais cette mise en couleur qui dirige un peu les émotions. Donc j'ai opté pour une mise en couleur très simple, directe et... des couleurs qui servaient à guider l'ambiance, à mettre l'ambiance. Donc chaque scène a une couleur différente. Mais c'est pas du tout une mise en couleur réaliste. J'ai regardé. Mais c'est très simple, il n'y a pas de dégradé. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a absolument aucun dégradé, parce que ça viendrait bouffer le noir et blanc. Il n'y a aucune tentative de mise en couleur réaliste qui viendrait aussi bouffer le noir et blanc. Par contre, bon, j'essaie de respecter la lumière. Bon, noir et blanc, c'est d'abord un traitement de la lumière. C'est d'abord ça. Donc j'ai essayé de respecter complètement cette lumière par des aplats qui prennent parfois toute la planche, pratiquement. Beaucoup de blanc aussi, laisser beaucoup de blanc, beaucoup de respiration. J'en suis pas mécontent, franchement. D'accord, merci.